Et bonsoir à toutes et à tous. Ici Draken, hop, tac, ici Draken sur Riva Sound Studio. On se retrouve ce soir pour continuer notre aventure sur Borderlands Gothic Unanswered. Je suis toujours accompagné de mon cher ami Jake. Et bonsoir. Eh bien, le bonsoir, Jake. Tac, je lance le jeu puisque je n'avais pas lancé le jeu. Ah bah bravo. Ouais. J'ai trop de travail, je suis fatigué. Le boulot là, ça Je n'arrête m'étonnais de ne pas pas. encore avoir reçu l'invitation. Oui. Je n'avais pas encore lancé le jeu. D'habitude, je le lance avant d'aller manger. Là, c'est que en fait, j'ai téléchargé les VOD. Du coup, j'ai oublié de lancer le jeu. Alors, check qui va sound. Je t'invite et je vais te mute tout de suite dans le jeu pour pas que j'oublie. Sinon je vais oublier. Parce que il devrait faire Je suis jaloux de votre rapidité et vos ordi modernes. Enfin, lancer le jeu, c'est direct, t'as lancé l'invitation. Moi, il faut que j'attende 5 minutes avant de faire. Attends, bah en attendant, audio. Réaction du joueur, oui. Activer les voix. Appuyer, désactiver. Voilà. Exactement, ouais. C'est Merci mieux comme Jake. ça. Donc Merci je suis déjà en voix. encore. T'as vu Hop, ça, si tout je ça? fais. Si je Oh fais. là, quelle histoire! Ah bah c'est bon. J'aurais pas besoin de te mute parce que j'ai désactivé les voix en voix. Alors, dans le dernier Ah, stream, tu réussis à mourir. on Oh, pas de bol. avait fait les quêtes de fameux Earl le Dingue, Ouais. dont la bonne quête qui consistait à lui ramener de la pâtée pour Skag parce qu'il avait faim. N'oublions pas. On avait tué le boss, le deuxième gros boss, entre guillemets, qui possédait la clé de l'arche. Et on avait pris beaucoup de quêtes, comme vous pouvez voir. Du coup. Oula, qu'est-ce que ça fait? Pardon. Qu'est-ce que t'as fait? Il y avait un monsieur, un ennemi en rouge là-bas. Ah J'ai pris oui! mon temps de cibler. T'as bien J'ai attendu. tapé one shot. Ah, vache! C'est bien, non, mais tant mieux. Il y en a là-bas si tu veux. Ah bah, j'ai fait Loin la de même. nous. Oh, bravo. Ah non, j'ai mal visé. Ah, il est un peu loin là. Oh. Mais Voilà, c'est bon. qu'est-ce que c'est que ça là? J'ai dit les voix désactivées et ça t'a activé quand même tes voix. Alors attends, activer le joueur muet, voilà. Hop, du C'est coup, parti. niveau quête. Alors, on peut aller faire les quêtes. Ouais, il y a des quêtes faciles, on va pouvoir les faire. Détruire les caches d'armes et trouver des preuves. Et tuer Jack le Borgne et rattraper, récupérer son œil Ok. comme preuve. On va l'arranger, ta tire. Il y a des gens dans le chat, bonjour le chat. Et bonjour le chat. Ah mais oui Et c'est bonjour le vrai, chat. j'ai pas montré le jeu. Je suis un poulet. Ah Oh bah là là. bravo! Oh là là, depuis tout à l'heure les gens ils voient ma Donc tête. ton magnifique one shot n'aura pas été vu. Oui, voilà, tant pis. Eh bah tant pis, voilà. Tant Voilà, pis. il n'y a On pas de problème. refera à la fin. Ce serait mieux de streamer le jeu. Oui, désolé, C'est la désolé. fatigue. Ouais. C'est vrai, j'ai pas. Je suis un petit streamer, moi, j'ai pas l'habitude. Ça fait pas longtemps que je stream. Vicky qui s'amuse. Sors de la voiture, sors de la voiture, sors de la voiture, sors de la voiture. On va mourir. On va mourir. On va mourir. Bien. Eh, en synchro. Après ça va. Ah, Super Maze. Je suis derrière toi, Jack. Je suis derrière toi. S'il te plaît. Merci. Je vais te heal. Shame. Oh non. Non, c'est compliqué. Viens, le chat est joué. Hop, voilà, c'est un peu mieux. Et du coup, là, c'est le même principe que la dernière fois. C'est-à-dire? Détruire les caisses. Ça valait Ah le oui, coup d'accord. de lancer le stream. Oui. Donc là, alors attention au tonneau. C'est les tonneaux qui explosent. Il y a de l'argent là-bas.
Bon voilà. Ça a explosé, c'est la caisse qui a explosé, voilà. Ouais, moi je dis c'est un tir ami. Attends, j'arrive. Vais-je réussir à temps? Non. Adieu. Ah non, c'est bête, dans Borderlands 2, tu sors instant. Tu sors plus vite. Alors là, je fais TP, c'est ça? Ouais, tu peux TP dans le véhicule, comme ça tu seras juste à côté. Tu seras à côté de moi, comme ça c'est bon. Oui. Borderlands 1 est pas très... C'est pas très bien, pas très optimisé. C'est mieux le 2. Le 2 c'est mieux. Pas très optimisé, hein? Cette version-là, souviens-toi, les nombres de crash qu'on a eu. Oui, mais à part ça, en vrai... Après, c'est le premier jeu. Je le trouvais assez fluide. Hein. C'est le premier jeu, mais bon. Non, le 2, c'est le meilleur. Bonjour, monsieur. C'est toujours la faute du jeu. Ce n'est jamais la faute du streamer, en fait. Franchement, attends, oui, il y a un tonneau qui est cassé. Michel, il est là. Ouais, mais pas que. Voilà. Alors, n'hésite pas si jamais t'as des armes élémentales à les utiliser. Parce que comme ça te fait des succès. Elle veut pas casser celle-là. Ah oui. Ah oui, c'est bizarre. Ah, bah il faut l'utiliser apparemment. Ah, mais oui, c'est la caisse de preuve. Ah, donc je vais c'est toujours la faute du stream. Faut du stream hack, les mobs ils trichent et gardent ton stream. Ouais, c'est ça. Surtout dans Borderlands. Bon là, on gagne quasiment plus d'XP. Alors attention. Ça va péter. On n'oublie pas de récupérer les sous-sous. Toujours les sous-sous. Non mais là dans Borderlands ça va, on peut dire c'est la faute au jeu, on n'est pas assez au level. Voilà, les mobs ils sont trop au level, c'est pour ça. On n'a pas le niveau. Bon, c'est pas comme si la quête c'est level 23 et qu'on est level 28. Hein. Alors, où est-ce qu'il est Jake? Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, t'es parti vendre... Oui. On est chercher l'œil de Jack. Et non, ce n'est pas le beau Jack. De Borderlands 2. Et Borderlands pré-séquel. Et Borderlands Tale of Borderlands. Tac. Tu conduis ou je conduis? Est-ce que tu veux montrer je lance cette écharpe de Borderlands 2. Ah oui, non. Borderlands 2, c'est pas maintenant, mais... faut aller derrière. Mais si jamais... Ah mais c'est moi qui conduis, pardon. Oui, c'est toi qui conduis, Jack. Oui, t'as pas trop l'habitude. Mais oui, moi, je suis si jamais le chat, je suis un grand fan des jeux Borderlands. Je les ai tous. Ici? Oui, tu peux avancer. C'est là-bas. Mais tu peux faire le tour, hein. Tu peux faire le tour par là. Ah oui, voilà. Là. Et si jamais on a prévu de tous les faire aussi. Tous, hein, Jake. Tous. Ouais, oui. Oula. On explose des racks. Évite les tonneaux, Jake. Oui, je m'en suis rendu compte trop tard. J'ai besoin d'aide. Oui, j'arrive. Secours. Ah! Regarde, t'as vu, là c'est ma... Alors t'as tué un mob ou c'est ma tourelle qui arrive? Un second souffle. Ah ok, mais parce que des fois, normalement, ma tourelle peut te heal. En plus, on a attaqué les racks par derrière. Hyméroptère, ouais, tu m'embêtes. Et ben justement, Tiny Tina Wonderlands, de ce que j'ai vu sur Internet, ça a l'air pas mal. Je me demande comment ça va se goupiller. Niveau graphique, je trouve que c'est très joli. Mais j'ai prévu de le prendre dès qu'il sort. Aïe, je suis mort. Au secours. C'est bon, j'ai ce bon souffle. Merci le petit rack. Mais en fait, ce qui me gêne un peu, c'est... Comment va être l'humour? Parce que je trouve que l'humour depuis le Borderlands 3,
a un peu baissé dans la série. Non, faut pas que je le tue. Oui. Hop. Alors en plus, moi j'ai que des armes électriques. Et lui c'est un mob électrique. Fallait que ce soit ma vénère. Aïe. Du coup, si tu peux les tuer, Jake. Oui, j'essaye. Normalement, t'es un DPS, hein. Moi, c'est moi qui joue le rôle de support. Là. Voilà. Attends, on va lancer des grenades. Ils vont péter. C'est bien, c'est que mes grenades, en plus, te heal. Ah oui, ah, le 2. Franchement, le 2, c'est mon préféré. Il n'y a pas à dire, le 2, Borderlands 2, c'est ah, une... pas fini. C'est... Non, il... je sais pas, si... j'espère que juste qu'il spawn pas infini. On a bientôt fini. Mais ouais, le 2, il est juste rien qu'avec le beau Jack. Et en plus, les DLC, c'est encore meilleur avec les DLC. Le DLC, le Tiny Tina à l'assaut de la tour, enfin, j'ai plus le nom en tête. C'est le secret des dragons, je crois, un truc comme ça. Le petit DLC qui a tellement bien marché qu'ils ont fait un spin-off sur ça. Oui, voilà, le DLC à Seigneur des Anneaux, c'est ça. Avec étalon du cul. D'accord. Oui, parce c'est que... Quoi, ça de quoi hein. J'allais dire, c'est quoi étalon du cul? C'est des déchets. Ça, c'est très rouge. Ouais, mais c'est des déchets. Oh. C'est des textures, donc. Mais du coup, oui, bah, je crois que je te l'avais raconté, Jake, c'est qui Étalon du cul? Oui. La licorne en diamant que Jack achète. C'est surtout le surnom de Jack dans les recoins de Toulouse. Non mais ça va, oui. Ça rappelle Guillaume qu'on a partagé une entrecôte, hein. Ah bon, bon, je vais renommer du coup titre de la VOD s'appellera Jack est à l'ordre du cul pour l'interrogation. Bon allez, on va aller tuer Jack. Alors, ils sont où les méchants? J'ai plus aucune munition sur le snipe. Ouais mais tu peux changer hein, t'es pas obligé de prendre du snipe hein. Oui, pas, oui, hein. Mais... T'embêtes pas hein. Alors ouais. Donc Jack doit être dans la zone, je suppose. Il est où? Ah bah il est là. Ah non, c'est pas ça. Bandit Bruiser Brutal. Aïe. Pourquoi les deux mobs de la zone ont des lance-roquettes? Sérieusement. Bah je suis pas fini hein. C'est bon, ils sont morts. Tac. Sérieusement? Bah t'as dû te faire tuer par une roquette. Bah ouais, par Jack. C'est validé. Ça part en prod. Non. Mince. Bon. Ils se font laminer. Levez-vous, second soldats. Souffle. Ouais, Jack Leburn, il est là-bas. Alors attends, regarde. Bon, c'est 50 000 grenades dans sa tronche. Mais t'as pas fait un second souffle, c'est moi qui t'ai heal. Bah non, c'est moi qui t'ai raise. Que tu dis. Hop, il est mort. Tant mieux. Il a mouru. Oh, le flingue. Oh, le flingue. Oh, il est pas mal. Oh, j'aime beaucoup ça. J'aime que ça explose. J'aime que ça poussille. Ouais, non, il est stylé le flingue. Bon, après, le temps que les balles arrivent, mais. Mais... On l'entend très peu, Jake, il est lointain. Ah, il faut que je... Oui, oui, son... j'arrive, je suis là. Oui. C'est parce que vous voyez, en fait, c'est parce qu'il... C'est pas moi, hein. On a passé 30 minutes à faire les réglages son. Normalement, vous devez je bien l'entendre. Je suis là, voilà. Est-ce que c'est mieux, le chat? Dites-nous. 1, 2, 3, 4. Les chaussettes de la Duchesse sont sèches, archi-sèches. Je suis passé chez Soch. Je pensais c'est chaud. C'est bon, il faut que je remonte encore un peu, le chat. Dites-moi tout. Dites-moi tout, monsieur Poitou. Oh non, il y a encore les grosses bêtes. Non, t'inquiète, ça va être bon. Mon flingue, on va les défoncer.
Refais-nous ça, Jake. On demande les chaussettes de l'archiduchesse. Les chaussettes de la duchesse sont elles sèches, archi sèches. Un chasseur sachant chasser sans son chien. C'est un bon chasseur. Il y a le bon et le mauvais chasseur. Le son c'est mieux à part pour Jay qui a une sorte d'accent assez désagréable. Oui. Excusez-moi d'avoir un accent du sud et pas d'avoir un accent nazi. Oula. Sorti de son contexte, hein. Twitch, n'oubliez pas. Hein. Ouais, ça va, moi j'ai l'accent du Nord. Ça va. Vous l'avez. J'étais. Oh non, oh le méchant. Oh non. Oh, méchant Robert. Méchant Robert. Oh non. Je suis content que ça fonctionne, j'étais pas sûr. Attends, attends. Parce que. Ah oui, d'accord, le son c'est vrai, hein. Pas au chocolat. Ah mais le pire c'est qu'il a même pas été banni pour... Ah non c'est en majuscule. Ah oui. Des majuscules. C'est un ban temporaire bien sûr, c'est qu'une minute, c'est, voilà, oui. C'est les majuscules. Je n'étais pas au courant, je me désolidarise messieurs dames. Ce n'est pas moi. Pour moi je suis tout à fait en accord avec ce que tu as dit Diaz. Non, toi tu dis petit pain non? Non je dis petit pain, je dis pain au chocolat moi. Alors, il y a les petits pains. Les petits pains, c'est les petits pains au chocolat. Mais c'est pas au chocolat qu'on dit. Oui, bien sûr. Oui, bah oui, mais bien évidemment. Écoutez, monsieur Cola, on dit pain au chocolat. Ça, je vais le garder. Alors, toi, par contre, le flingue, je vais le garder parce qu'il est cool. Il faut qu'on trouve une voiture, Jake. Ah bon ? Est-ce que tu peux nous commander un Uber, s'il te plaît ? Parce j'ai un vélo. Que... Parce qu'il est loin. Non, pas de gros mots. Pas de gros mots, Mathias. Ta voix. Qu'est-ce que tu dis, Napa? Ta voix à toi résonne un tout petit peu trop par rapport à Jake, du coup. Tu dois oui, mais c'est pas ça, c'est normal, c'est l'isolation de chez toi. Donc c'est, oui, c'est oui. Vrai. Parce que je vis dans un manoir. Ah, pardon. Oh, pardon. Je vis dans un manoir. Oh, nous allons appeler Stéphane Bern. Attention. Je vais abaisser un peu mon micro, bougez pas. Touk. On baisse un peu sur OBS. Et du coup, on va mettre Jake. Parce que là, en fait, ce que vous ne savez pas, messieurs, dames, c'est que Jake. Il est. Attends. Je t'avais boosté à combien déjà dans OBS? Je sais plus. Filtre. J'avais pas fait un filtre audio? Mais de mémoire, on avait fait un filtre normalement. Ah oui, si, voilà. Jake, j'ai fait. Alors, Jake est augmenté de 23,30 décibels. Ça me va. Voilà. Alors là, normalement, ça devrait être un peu mieux. J'ai baissé un peu le volume de ma voix. Vas-y, Jake, parle. Oui, attends, je lance 0,4. Moi, j'ai cherché la voiture. Voilà. J'ai fait un carnage. Je cherchais la voiture. Attends, c'est... Oui, c'est parce que là, on doit changer de zone. Je vais tester un autre truc. Qu'est-ce que tu vas tester, Diaz? Alors, attends. On va aller... Bah, on va retourner à New Haven. Pourquoi je vois ta vie... Jake. Arrête de bouger, je peux pas te heal. Pourquoi tu parles plus? Voilà, c'est bon. Jake, il se fait des mecs, mais ça sert à rien du tout parce qu'on doit partir de la zone. Bah, c'était pas là que le point il est. Mais non, il y a une étoile, c'est quoi l'étoile? Mais je sais pas me diriger. L'étoile, c'est une sortie vers une carte. D'accord. Donc là, il faut qu'on aille chercher une voiture pour retourner à New Haven. Oh, je sais pas ce que c'est, mais c'était violet. Tu peux pas utiliser tes points de chaîne, Diaz? T'en as combien de tes points de chaîne? Parce que peut-être que tu n'en as pas assez pour se alors, faire... Il veut acheter une chocolatine, il peut pas, c'est pour ça. Pour se faire, tu peux t'abonner à la chaîne, tu gagneras plus de points de chaîne.
cas ici. Bah oui. C'est possible. Bah oui, quand t'es abonné à une. Dans tes paramètres de chaîne, tu peux dire les followers gagnent un pourcentage de autant toutes les minutes. Les abonnés gagnent autant toutes les minutes, etc. D'accord. Je savais pas. C'est pour ça que souvent les gens disent abonne-toi, c'est pour avoir des points de chaîne et non pour avoir des sous. c'est pour les points de chaîne avant tout. Mettre un message en avant, j'ai 3400 points. Bah, c'est bizarre normalement. Bah oui, tu peux. Et qu'est-ce qui te met comme erreur? C'est possible, oui. Est-ce que tu suis... Ouais, lui, non, tu follow bien la chaîne. Bon, alors, il a pas assez de points. En vrai, je sais même plus combien ça coûte, ça, je vais regarder. Vas-y, bah vas-y. Si, vas-y. C'est 500 points. C'est 500 points à mettre son message en avant. C'est pour ça que... Je ne comprends pas. Bon. Je te laisse faire le copilote. Je m'occupe de la route. Si, ça fonctionne très bien. Faut que tu retestes. Alors, pour que ton message puisse se mettre en avant, Diaz, on dirait le chat du chat Ivalis. C'était le meilleur chat au monde. Ah oui, Ivalis. Allez, soirée nostalgie ce soir. Parlons d'Ivalis. Ah, attends, il y a des bruits. Il y a une grosse musique. Mais non, c'est rien, t'inquiète. Il faut qu'on trouve quelqu'un. Attends, il faut aller là-bas. Ne t'inquiète pas, c'est les ennemis qui nous abreuvent. Car oui, Diaz, si jamais, de mon point de vue, j'ai connu Jack et il a son studio grâce à Ivalis. Oh, des munitions, oui. Oui. Oui, c'est pour ça, faut que j'en achète aussi. Gozulaman, ah non, la porte d'entrée parce qu'elle était... Le pourcentage, ouais. De Zulaman. Le pourcentage de Zulaman. Ah, les armes commencent à être intéressantes. Ah, donc on a trouvé Sean Stokely. Voilà. On lit pas les quêtes. Hein. Et on va devoir tuer quelqu'un. On n'a pas besoin de lire les quêtes. Est-ce que dans Ivalis, on lisait les quêtes? Non. Bah, moi, oui. Wow. Qui veut un Ricard? Ah, j'ai pas, c'est con, c'est que comme je suis arrivé sur la fin de Ivalis, j'ai très peu de refs sur Ivalis. Je ne suis pas un vieux de la vieille de Ivalis, malheureusement. Bon. Pas tout ça, mais il y a des quêtes à faire. Bah oui, mais je suis en train, on va y aller, on va prendre la voiture, on peut sauter. T'as fait le plein? Hein? T'as fait le plein? Oui, je sais, niveau munitions, ça va. Je garde toujours le plein d'essence de la voiture. Ah, mais y a pas gaz. Oui, mais c'est la descente. Oh punaise. Prends le poteau. L'essence à 2€ le litre. Moi, j'aurais prendrais plutôt un café. Un des bon devs qui a bossé chez Midgard avait des problèmes avec le Ricard. Ah, toi, t'as pas de problème avec le Ricard, le jeu. Ça s'appelle un triplé. Voilà. Je vous rappelle que si vous faites ça le jour de l'examen du permis, vous n'avez pas votre permis et en plus vous partez en tôle. Oui, tout à fait. Alors, Old Even, enquêté sur la fumée de Old Even. Et ben, regardez Magic. Je vais prendre toutes les armes. Je laisse rien par terre, c'est du gaspillage, ça pollue. Non, moi je me souviendrai toujours dans Ivalis, c'est le scripting. Pardon, le scripting de la zone, la zone sous l'eau, alors je n'ai plus le nom en tête. La zone, t'as dit? J'ai pas entendu. Sous l'eau. Ah, Vashir. Vashir. Toutes les quêtes fonctionnaient nickel. Pas au début. Oui, pas au début, mais c'est pour ça. C'est pour ça, quand tout allait très bien, je me souviens... À Vashir, au tout début, c'était pansement sur pansement sur pansement. Hein. C'était une horreur, cette zone. Rien que déjà, quand tu arrives dans la zone, tu dois t'TP dans un bateau, tu dois aller sous l'eau, puis tu dois revenir, puis ça te fait pop des monstres. Je crois qu'ils ont dû bien rigoler, les devs, quand ils ont fait ça.
C'était pas une partie. Eh bien, bisous Diaz, merci d'être venu. Bisous Diaz. Moi je me souvenais, il y avait Neptulon, Neptulon qui popait en plein milieu de Vagir. Enfin, non, bah, normalement l'endroit où il doit y être, t'avais son corps qui était là, mais pas son esprit. Si tu vois ce que je veux dire. Attention au caisse. Ouais, vas-y. Au truc. Ouais. Mince, c'est un truc. Pas une mitraillette. Ah mais c'est... Ah mais non, attends. Y'a pas d'autre quête ici? Ah bah bon, je te suis. Réactivation des balises... Old Even, où est-ce que c'est Old Even? Ah bah c'est par là aussi. C'est parfait. Pour ma part, oui, Diaz, je suis arrivé sur Evalis, je suis sous-baissé, moi. Et, mais moi non, je suis arrivé sur la fin de Kata. Karazhan avec... Allô hein, tu m'entends? Oui, oui, non, c'est pas ça. Oui, je disais, je suis arrivé sur la fin de Kata. Karazhan avec zéro mur, les mobs passaient à travers, ces derniers aggro de partout, c'était fabuleux. Alors, ce qui était marrant, c'était la mascotte dans le raid. Qui aggro, quand tu posais une mascotte, ça t'agressait tout le raid. Ça, c'était marrant. Moi, je me souviens, en raid, des fois, dans les terres de feu, on mettait une mascotte et puis on voyait Shanox, il nous suivait de partout. Tout ça parce qu'il y avait une mascotte. Bande de petits jeunes. Pourquoi tu t'es arrivé à quel moment, Napta? Napta, elle était pas sur Evalis, je crois. Ah. Peut-être sur officiel. Ah. Moi, ouais, je suis passé sur officiel après Evalis. Ben, avant, j'ai testé. C'était quoi le serveur que j'avais testé? C'était un serveur privé aussi. Oh, il y en a eu tellement. C'était celui... non, bah c'était le, entre guillemets, le deuxième concurrent Evalis. Paragon ? Ouais, voilà, Paragon. C'est, je me souviens, j'avais téléchargé le jeu, et quand je me suis connecté, c'était pendant 2 semaines, tu pouvais parler à un PNJ, c'était un tauren, alors je sais plus c'est quoi le nom, qui te donnait un perso level max. Ah oui, non, c'était Millennium qui est devenu Earthquake. Ah oui, voilà. Firestorm. Oui, voilà, Firestorm, oui, oui. Il donnait un perso level max, full stuff, pour tester. C'était Boris, ce tauren. Voilà, Boris, oui. Le Boris, le tauren, c'est ça. Je me souviens, ça remonte, ça remonte. J'étais sur le logiciel dès le départ et à la fin de la bêta du jeu. Fait que pour jouer sous TLK, ça marche tip-top. Alors, dommage, nous n'avons pas vu ton message, James. Il y a un truc. Ouais, si t'as mis un lien, Diaz, on les voit pas. Mais ouais. Du coup, j'ai testé Firestorm, j'ai vu qu'il donnait un perso max. J'ai fait. Ouais, bah non, en fait. Il y a plus de plaisir pour jouer. Donc, tant pis. J'ai désinstallé le jeu. Alors. T'as vu, le mois prochain, on a l'annonce de la prochaine extension. Ouais, j'ai vu, ouais. Bah, j'ai vu les deux dernières vidéos ah, oui, du raid que tu as posté. Oui. Donc, la, j'ai vu en entier celle sur le Jolly. Ouais. Warmain et sous TLK, ça marche tip-top. Ah, Warmain. C'est vrai que Warmain, il a quand même une bonne réputation. Ouais, mais tu vois, en fait, moi, je pourrais plus retourner sur serveur privé ou... Ah, pareil. Et ayant jouant sur l'officiel, genre plus trop maintenant, mais je pourrais plus. Parce que je serais trop frustré en disant ouais, mais sur l'officiel, ça marche. Sur l'officiel, ça marche. Bon, après. Il y a ça, et même, pour ma part, même si j'ai été longtemps sur officiel après, j'ai quand même essayé, juste pour mon plaisir personnel, bot private. Ouais. Bah, j'y suis vraiment pas resté longtemps parce que j'ai pas retrouvé ce qu'il y avait sur Evalis, quoi. Oui, en termes d'ambiance, en termes de lien, en termes de communauté. Le tardisme manque. Les tardismes manquent dans le forum. Ah oui. Les fameux messages. Quand tu voyais un message avec un gros attardiste, tu te dis soit c'est une bonne nouvelle, soit c'est qu'il y a une couille. soit il y a un gros problème. J'ai pris un niveau. Alors que j'ai juste ouvert une porte. Oui, mais non, c'est parce que je viens de rendre la quête.
Ah d'accord. Parce que là, la quête, en gros, c'était aller au panneau des primes et parler au monsieur. Et on devait... on doit réparer le panneau des primes. Mais avant ça, il faut activer des balises. Donc c'est parti. Et en même temps, on va devoir trouver... Allez, je te laisse conduire. C'est le joueur qui font l'ambiance, pas le serveur ou le jeu. Ah oui, c'est vrai que Ivalice, il y avait une très bonne ambiance. Mais même officiel, parce que même si c'est bon, entre guillemets codé officiel, il n'y a pas l'ambiance. Ah oui, bah ouais, mais je pense que du temps de Kata, enfin l'ambiance sur les officiels, ça devait être pas mal. Mais depuis qu'ils ont sorti Warlord of Draenor, c'était en mode tu peux jouer tout seul tranquille. Avec le fief et tout, ça c'était le pire truc. C'était le pire truc, le fief. Tu t'avais même plus besoin d'herboriste, t'avais même plus besoin de mineur, c'était pas bûcheron, mais t'avais littéralement t'avais tous les métiers dans ton fief, donc t'avais même plus besoin des artisans en fait. Je trouve que ça rien que déjà niveau communauté, c'est nul. Alors non, on peut pas rentrer. Oh non, moi le Il y a marqué peace off, ça veut dire faites pipi dehors. pas vraiment. C'est pas du tout ça. Nous ne pouvons pas les dire sur Twitch. Mais non, moi le fief. Oulala. What? Okay. Oui. Moi aussi, voilà, j'ai envie de régénérer ma vie, s'il vous plaît. Parce qu'ils font très mal. Il y a beaucoup de monde, hein. Oui. Et surtout qu'ils ont notre level, enfin, ils ont deux levels de plus que nous. C'est peut-être pour ça qu'on a un peu plus de mal. Parce que nous ne tapons pas des faibles, notamment des gens à notre level. Bon, par contre. Allez! Meurs! Meurs, pourriture communiste! Après, Légion, je trouve que c'est ça. Après World of Draenor, Légion, c'était pas mal. Niveau histoire. Oui, Légion. Niveau histoire, c'était cool, je trouve. Ouais. Bon, là. Après, Légion, attends. Légion, il y a eu quoi? BFA. Oui, BFA, tout le jeu. Ouais, BFA, ouais. Les zones étaient sympas. Les zones, c'était vraiment... c'était vraiment des zones spécifiques, quoi, mais... Je trouve que dans BFA, ce qui était un peu embêtant, c'était le fait de farmer Nazirith. Ouais. C'était plus... Je fais mon donjon... pour avoir mon bonus d'Azerite journalier, ou je fais mon raid en recherche de raid pour avoir juste l'Azerite pour pouvoir débloquer, alors ça c'était pire, augmenter son niveau d'Azerite pour débloquer des passages de la campagne. Ça c'était le pire truc qu'ils ont fait. Mais ça c'est ce système là, ça date de quelques extensions déjà en fait, et c'est super nul. C'est tu fais tous les jours la même chose et au bout d'un moment t'es hyper lassé. Ah bah oui, il faut oui. arrêter avec ça en fait, faut vraiment arrêter. Ah oui, mais on le fait une fois, d'accord, mais c'est tout, donnez-nous de la nouveauté. Ouais, mais moi, comme je te dis, moi ce qui m'a vraiment déplu du jeu, c'est le fait que t'es obligé de farmer pour augmenter ton level d'Azerith et que derrière ça te permet d'avancer dans ta campagne. T'étais là en train de te dire, ah ouais, ah bah non, je peux pas continuer dans ma campagne parce que je suis pas level 58. Ouais, attends, il faut combien? Ah, il faut 3 millions d'Azerite. T'es là en train de te dire, waouh, quand même. Alors, il est au-dessus, la quête, ou c'est moi? Ah non, elle est là. Je l'avais pas vu, lui. Il y a un monsieur, là, il est caché. Ah oui, il est entre les tournesols. C'est ça. Alors, on joue les plombiers aujourd'hui. Il faut qu'on fasse des valves, il faut qu'on fasse des balises. On doit trouver des fusibles.
Allez, je conduis. Du coup, il faut aller là-haut. Ouais, mais les ponts, ils sont pas abaissés aussi. Ils sont pas abaissés, ouais. Je crois qu'on n'a pas été par là. Non, mais sérieux. Mais sérieusement. Sérieusement ? Je suis bloqué par la plaque, quoi. Oui, non, c'est la fin du niveau. Ah, si on va là, ça change de. Bah, sinon, non, si on va là, on meurt. Ah, d'accord. Bah oui, mais c'est... tu veux qu'on essaye, regarde. Non, 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 c'est bon. Vas-y, cours tout droit, Duc. Non. Tiens, tu vois, je vais arriver là. Vous entrez dans une zone interne. Ah, d'accord. Non, mais attends, je vais casser la tourelle. Non, mais tu peux pas, elle est invincible. Ah. Si on la... Par contre, la voiture va exploser. La voiture est. Oui. La voiture va exploser. Hop. Et ouais, du coup, la nouvelle extension, je sais pas trop. Je sais pas. Attends, on a tellement de choses différentes en fait, parce que j'aimerais vraiment beaucoup faire de la spéculation et des hypothèses par rapport aux cinématiques qu'on vient de voir. Mais je peux pas trop en dire si ouais. Pas spoil en fait. La seule parce chose que clairement, ce qui s'est passé, il y a une hypothèse que je sors de suite, qu'on en entend souvent parler depuis un bon moment, que j'ai sorti direct. Là, on part sur clairement autre chose. Alors, Napta disait aussi le point qui en a aussi rebuté beaucoup, c'était les guildes qui exigeaient. Les guildes d'entreprise. Une certaine avancée par semaine. Il fallait que tu sois à tel level, sinon. Ah bah il faut parler au claptrap pour qu'on passe peut-être. Mais ouais, ça aussi c'était. Ah bah voilà. Ah voilà. Allez, baisse-nous le pont. Mais ouais, ça les guildes qui disaient tu dois faire tel niveau, tel avancée. Déjà que. Enfin, t'avais un peu le système de level, mais bon. Certaines levels pour les reines, mais bon, là, ouais. T'as vu, il y a une bébête qui flotte. Où ça? Là, sur la voiture. Ah bon? Bah, ça doit être toi. Tu la vois pas, toi? Ça doit être toi, je pense. Non, je la vois pas du tout. D'accord. Ouais, mais de toute façon, moi, c'est pour ça que. Bah, sur Evalice, j'étais dans une guilde. Enfin, j'ai fait. Deux, trois guildes. J'ai fait trois guildes. Mais sur Ophi, j'ai jamais fait de guild. Parce que je retrouve pas, comme tu disais, l'ambiance Ivalice, quoi. Genre, c'était comme disait Napta, c'était soit des guildes en mode entreprise, tu dois farmer ça. Ou sinon c'était des petites guildes qui enfin ils étaient pas prêts pour faire du raid, donc c'était juste je reste là, je me connecte, je fais mes journaux et puis voilà quoi. Donc c'était un peu non, donc du coup c'est pour ça que je suis toujours mis à jouer en solo après Davis. La tourelle. Bah, je suis niveau bouclier. Tu sais que tu peux changer aussi l'élément de ton. Oui, oui. Descendant, hein. Mais pour. Là, le feu, ça lui fait. C'est pas bon. Bah, en fait, le feu, c'est quand les gens n'ont pas de bouclier. Quand les gens ont un bouclier, tu vas leur. Il faut que tu leur casses leur bouclier avant, en fait. D'accord. Ça fera plus de dégâts. Parce que le feu va brûler leur chair. Que si tu tapes dans le bouclier vaut mieux taper dans l'électrique. On va. Ah bah tiens, il y a une caisse. Donc on a activé les deux balises. Tiens, il y a des flingues ici si tu veux. Bah, je suis en train d'ouvrir plein de choses aussi. Tu cherches des munitions, il y en a plein partout là. Ouais, bah moi aussi j'en ai plein là, franchement. J'ai des shotguns. Ah, j'ai des snipers si tu veux. Mission de sniper. Donc ça c'est celle de la balise. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
La main verte, oula, la main verte c'est un peu compliqué. Les fusibles. Oh, caisse rouge. Ouh, coffre rare. C'est vrai qu'on a pété dedans. Qu'est-ce que tu as dedans? Oh, c'est difficile. Choix difficile. Choix difficile. 275-97. Ah, de Snape pour toi. Ah bah, moi les deux me vont pas. Il fait 306 le mien. Hop. Ouais, je prends les deux et j'aviserai. Ah, j'ai trouvé une... là-bas, il y a encore des caisses de munitions. Bah du coup, attends, je vais utiliser mon heal tout de suite. Ça sera une place en moins dans... Hop. Ça, heureusement qu'ils l'ont arrêté dans Borderlands, le coup des pilules que tu devais acheter et que ça se mettait dans ton inventaire. Dans le 2, ça, ils l'ont complètement enlevé. C'était maintenant, ah ouais. c'était juste les pochettes de seringues qui popaient par terre et tu les ramassais automatiquement quand t'avais pas toute ta vie. Ça, c'était le mieux. Alors, on va pas aller voir Tyler Cobb. On va essayer de faire l'autre quête avant. Bah, la main verte, non. Il faut trouver des fusibles. Alors, dommage qu'on puisse pas gérer l'inventaire pendant qu'on est dans la voiture. Ouais, bah ça tu pourras le faire dans, enfin, dans Borderlands 2, ce sera amélioré. D'accord. Très bien. Ah, ça va, j'ai pas eu peur moi. Ça, oui, ça oui, va. Bah ça va, toi t'as pas eu peur. D'habitude j'ai peur, mais là ça va. Enfin, on n'a pas pris de dégâts, regarde. On était non, à non, non, mais c'est pas ça, c'est l'effet de sauter dans le vide, que ce soit en vrai ou comme ça, j'ai la même sensation. T'inquiète pas, j'ai aussi la même. Quand vraiment je saute de haut. Joli. Parcours. Parcours c'est plus le parcours là, c'est du. En plus, comment on appelle ça? C'est même pas là. Du. Ah bah si, du parcours. Ou Yamakasi. Alors, on va monter là. Il y a une balise en bas là. C'est... Hein? En bas de l'éolienne, oui. Il y a un truc. Oui, c'est pour une wheel. Alors attention. C'est un sauvegarde. Ouais. Sauvegarde. Comme ça, quand on meurt, on va respawn ici. Et tu vois, ils se battent entre eux. Les hyménoptères et les sangsues, là, bizarre. Banlieue 13. Oh oui, banlieue 13, ça date. Oh, la vache. C'est un film, mais je sais pas. Banlieue 13. C'est... Alors, si je me souviens, je crois que c'est Paris qui est divisé en plusieurs zones. Et les zones, c'est genre la zone des Italiens, la zone des Chinois, la zone des Africains. Et ils veulent faire un braquage, je crois. Enfin, c'est un film à la Luc Besson. Je crois que c'est Luc Besson. De mémoire. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu dans le test. Oula. À l'aide de Jake. J'arrive. Je suis dans l'inventaire. J'arrive. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Focus l'électrique. Parce qu'elle nous fait extrêmement de dégâts au bouclier. T'inquiète pas, je suis. Je déteste quand ça saute au visage comme ça. J'ai horreur de ça. Eh ben, figure-toi que un des boss dont on aura fini le jeu s'appelle Conquerax. Enfin, non, c'est pas Conquerax. Si, je crois que c'est Conquerax ou un truc du genre. Enfin, c'est une grosse larve géante. Comme ça, en fait. Mais ça vole en plus ? Oui, ça peut voler. ça plane. Hop, ah c'est bien, c'est qu'ils nous donnent pas mal d'XP maintenant qu'ils sont à notre niveau. Tiens, tu vas récupérer de la vie. Alors les plus petits, c'est les plus embêtants. C'est les pires. La banlieue 13 est entourée d'un mur et un président se met dans l'idée de l'assainir. Ah oui, c'est ça, oui. Oh là là. Banlieue 13. Attention aux explosifs. Il nous faut encore un fusil. Il est là, non? Vas-y, si tu l'as, prends-le. Je sais pas, le point il est à... Non, ça c'est... Ouais, c'est...
Ça, c'est pour dire qu'il est dans la zone. D'accord. Alors, est-ce que c'est les... Non, je vais pas prendre le lance-roquette. Est-ce que c'est les petites bestioles qui nous le donnent? Je sais pas. Je vais peut-être le chercher. Moi, je me souviens de la parodie de Mosinor sur Banlieue 13. Mosinor, panthéon de YouTube. Tu connais Mosinor quand même, Jake? Oui. Ah bah, elle était là, le fusible. Dans un tas de déchets. Alors. Avec le fameux sketch Gravitox qui me fait mourir de rire à chaque fois. Et plus récemment Jupiter One. Ah ouais, quand je me fâche. Ce sont des sketchs un peu. Enfin, ce sont des sketchs immatures, mais rien qu'en y repensant, j'ai le sourire aux lèvres. Wow, tu vois pas de quel sketch là? Non, celui-là non. Les Gravitox, c'est. Gravity. C'est un passage de Gravity avec George Clooney qui fait des flatulences. D'accord. Voilà. Oui, c'est puéril, là, mais ça me fait toujours mourir de rire. Je rien qu'en y pensant, je rigole. Parce que c'est la tête et la voix de Mosinor qui matchent parfaitement. Ah tiens, on passe au-dessus du Darfour. Ah bah tiens, il y a encore un autre fusible. Bon, en fait, il fallait qu'on casse les trucs de déchets. Hein? Je ne sais pas, pour l'instant, je ramasse des trucs. Ouais, c'est bon, là, on l'a fini, la quête. Il ne fallait que 3. Alors, soit... Attends, Chrome's Canyon... on peut faire la main verte. Alors, par contre, la main verte, c'est un niveau plus que nous. Hein. On va voir. On peut tester. Alors, si j'ai bien compris, il faut fermer une valve. Et soit casser une valve, soit la fermer. Et éteindre une pompe à eau. Et du coup, comme on a parlé au claptrap, ça a fait baisser le pont ici. C'est pas mal. Ça nous fait une nouvelle zone. Alors, hop, on va aller par là. Hop. Alors, elle est où la valve? Là, ici. Ah oui, ah non, d'accord, il faut prendre la valve et après il faut aller fermer la pompe. Ok. Oh, tiens, j'ai pas pris de... J'ai pris que très peu de dégâts. Alors, hop, on va se... Au moins, on est sauvegardé. La valve, elle est où? Une quête, là, non? Non, ça, c'est... C'est juste pour le point de la station New U. Ok. Et là, par contre, ça va piquer. Ça va piquer, il va y avoir du monde, hein. J'adore, c'est que pour le moment il n'y a personne. Et puis, hop, ils apparaissent. Je me cache derrière. Est-ce que tu vois comme moi tous les points rouges? Oui. J'ai peur, en plus ils se cachent. Il y en a là-bas. Ah, mince, oh là, non, mince, j'ai lancé le chat. J'ai lancé le chat de hacker, non? Oui, c'est vrai. Hop. Ils sont très nombreux. Hein. Ouais, c'est vrai. N'oublie pas d'utiliser sanguine. Hein. Dès que tu peux. Est-ce que tu peux le tuer lui? Non, t'es caché. Non, je peux pas.
J'arrive. T'inquiète pas. Chacun son tour. Ouais, alors je vais essayer. Ah oui, mais d'accord, c'est un brutal. Mission. Je suis de ville. Hein. C'est la merde. J'essaie de me régénérer, j'arrive. Oh, c'est bête, tu t'es caché juste derrière. Hop. La tourelle comme ça, on peut se heal. Reste dans la zone. Ça au moins, ça heal. Hop. On est un peu concentré. Il reste un quelque part là. Il doit être au-dessus, je crois. Ou il doit être derrière. Il est en face. On est un peu concentré, le chat. Hop. Alors c'est bon, il est mort ? Non. Je ponce dans ta tête. Voilà. Bon, ça va, ça s'est bien passé. Hop. Prendre les coffres. Utilise de plus en plus de munitions à chaque mission. Mais après, c'est pour ça qu'il faut améliorer les missions. Les munitions dans les. Ouais. Oh là, par contre, il y a un coffre rouge dessus. J'ai deux ennemis. Oula. Il y en a plus qu'un, et après, il y a le coffre rouge. Deux. Hop, et derrière, il est où? Il est derrière bâtiment, il est vraiment derrière. Alors. Où est-ce qu'il est caché? Michel, t'es où? Ah, il est là-bas. Raté. Ah, mais du coup, ça en a fait pop d'autres. Non! Hop. Cible touchée. Non, mais t'as vu la vie qui lui reste? J'ai fait un point de vie, quoi. Sérieusement. Attends. Ah, bon, trop tard. Attends, y'en a encore. Le mien, il fait beaucoup de dégâts, mais j'ai que 3 balles. Voilà. Et il met du temps à recharger. Bah vas-y, on peut aller rendre la... Le coffre rouge. Oui, c'est vrai, le coffre rouge, ouais, j'ai complètement zappé. T'as raison. Je te laisse l'ouvrir, chérie. Oh. Tiens, prends-le. Ah bah non, oui. Tu veux mon... Je crois que l'électrique, il fait pas beaucoup de dégâts. Non, je fais le tour parce qu'il y a des caisses de munitions. Ah oui, j'ai... Il va faire mal, je pense, celui-là. Ah ouais. Bah, le missile part très vite. Donc ça a l'air pas mal. Je vais aller rendre les quêtes, moi. Hop. Parce qu'il faut que je vende des... Je dois vendre des armes. Alors. Niveau quête, il nous reste... Liquider l'anéantisseur, Old Even et aller voir Taylor Cobbs. Et ben on va faire d'abord celle-là. Ça va gagner pas mal d'XP. Tu as mis ton point dans ta compétence en fait. Je crois oui. Normalement tu vois c'était un 1. Elle est où là? Ici il doit y avoir une machine. Je vois un dollar là où je suis, mais je vois pas la machine. Elle est peut-être dans la maison. Dedans ou au-dessus.
Ah, c'est bon, j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on a chopé là? Alors, ça, ouais. Sniper électrique, fusil à pompe électrique. Pas mal de trucs. Bon, ça. Hop. Ça, pas besoin. Et revolver électrique, ouais. On va vendre tout ça après. Hop. Et hop. Alors, ensuite, les autres quêtes. Et bah, du coup, je te rejoins. On va pouvoir avancer sur les quêtes principales. Ouais, c'est vrai qu'il y a les textures qui bloquent. Sérieusement. Ma voiture s'est retournée parce que je suis tombé dans un nid de poule. Mais littéralement. Il y a un petit trou, j'étais en train d'avancer, la voiture s'est retournée. Super. Alors, les emplettes. Du coup, je vais améliorer aussi mes munitions parce que j'en ai besoin. Hop, alors, kit d'amélioration, SMG, je peux prendre, et ben, vous ne pouvez pas utiliser ceci, pourquoi, SMG 900, ah oui, je l'ai déjà, en fait, pour ça, revolver à 120, je l'ai déjà, répéteur pistolet à 500, je l'ai déjà, Rocket Launcher, je peux en prendre 8. Ah, mais Oula, c'est quoi ce bruit? En fait, ah oui, c'est pas la bonne zone pour améliorer nos armes. Et puis l'autre, il est là-bas. Les hyménoptéridium. Le mec a trouvé le nom de ces monstres, franchement. C'est que mon passif, ça me permet de mille directement. Il y en a encore. Ah, c'est important que mes balles elles traversent. Ah, t'as pris le SMG ou mitraillette? Ah, la SMG. C'est un truc mitraillette, donc ça c'est une SMG. Alors. Alors, monsieur Taylor Cobb, es-tu là? Il est là. Il y a des petits coffres avant, bien évidemment. Alors, traverse le pont-levis et parlez à Taylor. Il paraît que vous allez à Trash Coast et je peux vous aider à vous démarrer en plus d'abord. Une mission spéciale et confidentielle. Il vaudrait mieux pour tout le monde qu'Elena Pierce n'entende jamais parler. La mission s'appelle. Jennystown, l'amour d'un frère, et il faut tuer Jenny Scobb. Donc il faut tuer son frère. Et c'était là où on était. Oui. Donc demi-tour. Allez, c'est parti. Je vais pouvoir laisser tester mon roquette. Ces criminels endurcis contrôlent la route. Faites tout ce que vous pensez nécessaire pour poursuivre vos recherches. Oui. Fais pas ton timide, l'autoloc, location d'auto, quoi. J'arrive. Hop. Du coup, normalement, il devrait avoir que le boss, ils ont pas respawn. Alors, attention, c'est un mini-boss. Hein.
Ouais. Tu prends cher, tu prends cher. T'inquiète pas, Samus. C'est bien, en fait, on a bien fait de... Moi qui m'aimais pas beaucoup. Grosse explosion. Bah du coup, hop, c'est bon, on a fait la quête. Ouais, demi-tour. C'est parti. Bientôt level 29. Au level 30, on aura un succès. Cool. On aura un succès Steam au level 30, et après, de mémoire, c'est le level 50. Mais alors, le level 50, il faut relancer le jeu en mode brutasse. Quoi ? Pourquoi ? Bah, parce que... en fait, il y aura... Et après, il n'y a plus de quêtes. Enfin, si, sans compter les DLC, hein, bien évidemment. Mais pour passer level 50, il n'y a plus de quêtes, les mobs... Ah d'accord, c'est comme un New Game Plus. C'est ça, en fait c'est dans Borderlands, t'as... alors je sais, dans le 1, je sais que t'as le mode Brutasse, mais je crois pas que t'as le mode Brutasse 2 et 3. Mais dans... je sais que dans tous les autres Borderlands, t'as un mode New Game Plus, New Game Plus Plus et Plus Plus Plus. Et bien évidemment, à chaque fois que tu relances le jeu en changeant de mode, les ennemis deviennent plus forts, t'as plus de vie et tu récupères des niveaux en plus. Comme là dans Borderlands 2, on est en gros, il y a un nouvel élément, ça s'appelle le slag. C'est un élément, c'est des armes qui font pas beaucoup de dégâts en fait. Mais en gros, c'est quand tu slag un ennemi. Et que tu le tapes après, tu le tires avec une arme non slaguer, tu lui fais énormément de dégâts critiques en fait. Et du coup, dans les modes Brutasse 2, enfin Brutasse 2 et Brutasse 3 dans Borderlands, c'est les ennemis font beaucoup plus de dégâts, ont beaucoup plus de vie, mais par contre, prennent autant de, genre 150% de dégâts en plus quand ils sont slagués. Des trucs comme ça. Okay. Donc, on va aller rendre nos quêtes. Donc, on va aller faire le panneau des primes. Parce que lui, il va nous donner plein de quêtes. Donc, c'est parti. J'espère que ça passe. Avant ton prochain niveau, avant de passer niveau 29, il te reste combien de barres d'XP ? La moitié. Alors, attention, on va sauter. Oui, j'ai vu. Je suis à la... aux deux dernières, il me reste la moitié de l'avant-dernière. D'accord. Ouais, t'en es où, toi ? On a 10% d'écart, c'est pour savoir. Ouais, ok. Ah oui, c'est vrai, il faut monter. Oh. J'ai un peu... Avant, on avait 50% d'écart, mais j'ai un peu rattrapé. Ah, mais après, c'est peut-être parce que... comme là, c'est moi qui les écrase. Enfin, avec ma voiture, bon. Je tue peut-être plus de mecs que toi, ou des trucs comme ça. Normalement, au niveau quête, on a le même nombre d'XP. Tuer des hyméroptères pour Hudson Jones. Et ils sont là-bas. Bah du coup, tu peux... Viens, on va dans la voiture. Attends, mais... On peut... Le panneau des primes, il est pas réparé. Non, il est pas réparé encore. Bah du coup, tu peux prendre la voiture et on va aller tuer les machins. Je me mets en place mitrailleur. Et je te laisse conduire. On va dans quelle direction ? Par là. Donc on fait le demi-tour. Le tour demi-tour. On fait un petit créneau et on va, voilà, à gauche. Et ici. Et on doit en tuer 5. Ah, c'est dans cette zone-là ? Ouais, dans cette zone-là. Ouais. D'accord. Donc voilà. C'est, bien sûr, c'est des brutales. Hein. Mais la voiture, ça va. Ah oui, c'est les one shot. Ah, ça, c'est... Il n'y en a plus qu'une, et c'est bon. Elle est un peu bloquée, non ? C'est bon.
Ah ben évidemment, ça te fait perdre du rythme. Ça rapporte 600$ par bête. Non. 600$? Ah non, non, c'est juste une qui a apporté 600$. Ah oui. Là, du coup, on va pouvoir aller rendre la quête. Ah, si, tu veux. C'est pas grave. Garer la voiture. Tu n'as pas mis ton clignotant. C'est une faute grave. Ah. Oui. Enfin, que non, le clignotant, c'est pas une faute grave. Oh, quand même. Non, non, c'est pas grave. Et du coup, on a remis le panneau des prix, mais on va devoir retourner à New Haven. Et du coup, on a des nouvelles quêtes qui sont débloquées. Il faut parler à Elena pour. Alors, oula, ah oui, ah oui. Oui, viens voir, Jack. Ah, beaucoup de quêtes. Okay. Beaucoup de quêtes. Hein. Alors, après, il faut faire par zone. Alors, texte brûlé, shotgun de les journaux. Eh ben, on est Common Est. C'est à côté ou c'est chez nous? Bah non, c'est chez nous. Bah vas-y, on va toutes les faire, c'est parti. Attends, je cherche 20 000 d'argent. 20 000 d'argent? Attends, j'ai peut-être des guns pour toi. 20 000, j'ai 1800. Oh oui, large, tiens. Non, non, c'est bon, attends. Oh punaise, ça a rien. Ah. Tiens, regarde, tiens. Wow, on se calme, hein, c'est les soldes. Voilà. Comme ça, tu vas te faire pas mal d'argent. Alors attends. Pendant ce temps-là, moi je vais faire les quêtes. Si jamais t'auras juste à te TP dans la voiture. Hop. Ça, tu peux faire ton petit shopping. Mais oui, c'était ça, je me disais, les textes qu'il nous fallait. Voilà. Premier texte, c'est fait. Je deviens plus fort à chaque instant. Je viens de passer un level. C'est parfait. Hop. C'est pas les mêmes... Attends, j'ai une question. Oui. Là, j'ai un GGN20 Puni Sniper. Oui. Et là, j'ai un PPZ style Vras. C'est pas un sniper, ça? Non. Le sniper, tu peux le savoir quand, selon les munitions. Quand tu vas, tu regardes ton arme. Attends, je vais me mettre en sécurité. Je vais te dire ça tout de suite. Quand tu vois, tu mets ta souris sur ton arme. En bas à droite, en dessous de ton personnage, il te met quelle munition tu utilises. Et sur l'image de l'arme, juste un peu en dessous du nom de fabricant, tu vois ce que c'est comme munition que tu utilises. Bah, j'ai l'impression que c'est des munitions snipe quand même. Alors, les munitions snipe, c'est les 3 balles vers le haut. Ouais, bah, c'est les deux, ce sont des snipes alors. Eh bah, ouais, non. Des snipes. C'est possible, hein. Après, les noms, ça, des fois, ça veut rien dire. Hein. T'as certains les noms bon après dans les autres Borderlands où des fois t'as des noms spécifiques aux armes, genre l'annihilateur, bah c'est pas une mitraillette, c'est juste un pistolet ou des trucs comme ça. Où es-tu? Dans la voiture. D'accord. Et donc, tu descends du panneau, tu vas dans le panneau de la voiture et tu fais téléporter au siège mitrailleur. Ah oui, c'est juste en dessous. J'avance dans les quêtes comme ça, parce que comme il y en a pas mal. Là les quêtes, c'est... il faut brûler des textes sacrés. En fait, il faut juste... Oh, il faut, sérieusement. Il faut juste aller les ramasser pour les brûler. On va avoir des problèmes.
Bah après, c'est des textes sacrés, mais attends, je vais regarder c'est quoi la quête. Dans la quête, texte sacré. Il faut que on mette là-haut là cette fameuse religion que les bandits prêchent et vite avant que les adeptes ne soient trop nombreux et que ce soit le chaos. Ouais, c'est une mauvaise religion. Donc, hop, les textes sacrés sont brûlés. Quelle autre quête? Récupérer un shotgun. Non, pas d'autre. Regarde, j'avance, je recule. Hop, c'est bon. Donc, on va aller récupérer de la propagande. C'est ça, c'est de la propagande banditesque. Là, on va aller récupérer. Oula. Mince, j'ai appuyé sur O, je voulais appuyer sur F pour mettre le boost. Ah mais je te suis moi en plus. Non, tu peux... Oui. Non, là on va aller faire les quêtes où il faut récolter des objets là pour les armes. Et là on va devoir faire la quête pour récolter un fusil à pompe. Voilà, la petite musique. C'était pas cet endroit là où il y avait les grosses mitrailleuses? Si, si. Ok. Ah, ça va, c'est un peu avant. Ouf. C'est bon, c'est bon. On va pas se battre contre les mitraillettes. Par contre, là, il va falloir... Hop. Il va falloir fouiller la zone. La musique qui s'énerve, en plus. Alors qu'il n'y a rien du tout. Je sais qu'il essaie de... Une écluse en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Peut-être qu'on peut aller voir après, hein, je sais pas. J'ai regardé justement s'il y avait rien dans l'écluse, mais bon. Là, y a rien. Faut pas monter. Si, 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 si. Il faut faire du parcours, Jack. Ah, génial. Alors, parcours. Non mais c'est plus du parcours là, c'est tu casses le jeu. Attends, on va tester. Non, c'est pas là. Regarde, il y a des peintures rupestres. Ah là, attends, on peut. Ah bah on a ouvert les écluses. Ah bah j'ai ça fait comment? J'avais un mouton. J'ai pas vu, il y avait un mouton qui était là. Un mouton? Un bouton. Ah. B comme une banane. Banane. B comme une banane. Il les a mis en bas du coup. Alors, ce qui est embêtant, c'est que moi, quand je te tire avec dessus avec mes grenades, ça te heal, moi ça me fait des auto-dégâts. C'est un peu gênant. Hop, heureusement que quand je tue quelqu'un, je peux me heal. Ouais, bah ça, en fait, ça a rien fait les coups. T'as ouvert la porte là. Ouais mais ça sert à rien. Ah si, on peut maintenant on peut passer avec la voiture. Ah c'est ça, maintenant on peut passer. Mais il y a tous les items à trouver sont ici là. Ouais, oui, ils sont dans le coin. C'est-à-dire, comme là il y en a un. Ah c'est là qu'on peut monter. Et tu vois, hop, on monte là. Il y en a un ici. Là on fait du parcours. Il y en a un ici. Vas-y, check. Il y en a un là. Ouais, il y en a un là, voilà. Et maintenant, il en manque plus qu'un. En face. Où ça? En face, tout droit. Ah oui, là-bas. Ah oui, bah du coup, ouais, bah vas-y. Il faut monter sur les caisses là-bas. Je l'avais même pas vu. Je suis devenu un pro du sniper. Hop, hop. Et du coup, y a pas une caisse rouge? Non, y a pas, non, pas dans quoi. Je crois que c'est après qu'il y a. Les journaux de Tanis. Les journaux de Tanis sont là-bas, donc on peut prendre la voiture. C'est parti. Alors, niveau route,
C'est pas par là. Au revoir. Des fois ça me tue parce que ils ont même pas le devant toi. Hein ? Devant toi, aller à la pop. Ouais, ouais, bah c'est ça, des fois ils ont même pas le temps de sortir de la terre que la hitbox est considérée comme sortie, du coup tu les écrases quand même alors que tu les as même pas vus. Mm. Des fois tu roules, genre, tu vois, ah tiens, plus 22 d'XP. Ah, moi j'ai dû tuer quelqu'un alors. Alors, journal de Tanis. Hop. Ouais. On peut les récupérer. Qui est sous une box. 578e jour. Cela fait 3 jours que je n'ai pas fermé l'œil. Je viens de manger 6 insectes. Dans l'ordre alphabétique, Carabus auronitens au Tetrix undulata. C'est un dessert très honorable. Les dernières données fournies par mon programme de déchiffrage permettent de mieux cerner l'emplacement de cet événement, dont je pense qu'il s'agit de l'ouverture de l'arche. L'enregistreur Echo et moi avons rompu. Mais je ne lui en veux pas, et j'espère que nous resterons amis, et qu'il me laissera enregistrer ses messages. Il veut bien parce que nous devons finir ce que nous avons commencé et laisser des traces exploitables de nos recherches de l'arche mythique. Oui, ce n'est pas ça. Elle est un peu fofolle. Hein. Un petit peu, oui. Donc elle s'est quand même mariée avec un enregistreur Echo. Donc les enregistreurs Echo, c'est ce qu'on écoute. Hein. Et... Oh non, la voiture! Donc là, elle dit quand même de devenir amie avec des tueurs. Hein. Mm. Jusqu'à ce qu'elle est toute ça. C'est une tarée, Tanis. Et encore, dans l'Anse 2, c'est encore pire. Et dans le 3, c'est encore pire, parce que dans le 3, première fois que tu la vois, elle sort d'un cadavre de Skag. Elle est rentrée dans le cadavre du Skag. Donc... Enfin, c'est Tanis, quoi. Mais du coup, en plus, on va pouvoir rendre une attends, quête. Attends. Ouais. J'ai loot, je sais pas si ça peut t'intéresser. Un chef mode classe soldat. Il fait quoi? Expérience bonus équipe 21%. Compétence déploiement plus 3. Compétence soldat endurci plus 2. Alors, attends, soldat endurci... Ah non, je l'ai pas. Ouais, non, tu pourras le vendre. D'accord. Les soldats endurcis, je l'ai pas. Bon, après, ça nous fait gagner 21% d'XP en plus. Mais bon. On peut déjà rendre une quête et on va reprendre la voiture pour aller prendre le. Parce que ça fait quand même plus de 710 jours qu'elle est sur la planète. Hein. Mm. Donc. et toute seule, je crois. Alors, moi, niveau arme. Ah bah tiens, t'as acheté l'arme du jour, moi je peux pas l'acheter. Ah. Bon, c'est pas gênant. Bah c'est mon super snipe. Non, les kits de shotgun ne servent à rien. Du coup, on peut déjà rendre deux quêtes. Oh, attends, le shotgun. Il est mieux ou il est moins bien? Ouais, il est toujours moins bien. Les gars, encore à corps sont... Ouais, il fait moins de dégâts, mais il est carrément mieux. Et oui, en voiture, comme tu dis. Attends. Mais t'es pas monté dedans ? Attends. Alors, si jamais... Normalement, si tu appuies sur... Si tu appuies sur C, on peut échanger de place. Ah oui. En fait, quand on est deux, chez chacun de nous appuie sur C, on échange de place. Et quand tu es tout seul, ça change de place automatiquement. Je le dis ou quoi. Donc non, on était parti. Ah, maintenant il faut détruire des prospectus pour la religion. Attends, on va aller chercher le journal.
le prochain journal de Tanis. Il est là-bas. Ceci, il n'y a même pas spawn, je l'ai même pas vu. En plus, il y a un coffre rouge. Alors attends, remonte dans la voiture. Regarde. Voilà, la belle bête. Hop. Oh, le bruit que ça fait. Mince. On va attendre que ça régène un peu. Et on reprend une tire dessus. Hop! Du coup, on va pouvoir récupérer la caisse rouge et le journal. C'est parfait ça? Ah, des modes de grenade! Pas mal ça. Bouclier, mode de grenade. Je vais prendre les deux. Et du coup, le 614. Tu l'entends ou pas, toi, parler? Oui, oui. Ah, mais moi, je l'entends pas, j'ai pas le son. Je sais pas pourquoi. Donc, bah, désolé, le chat, vous n'entendrez pas ce qu'il y a. Il a un tatouage sur ses fesses, Patricia. Ah, elle s'est fait son, elle s'est tatoué son nom, son prénom sur ses fesses. Ah, oh, dommage. Mais t'as pas du tout le son, toi. Ah non, j'ai pas du tout, j'ai juste que ça... Elle parle, mais j'ai rien. Je sais pas pourquoi. Là, c'est bon, là, je l'ai. C'est pour prendre une arme. Je pourrais envoyer un message interplanétaire pour attirer des chasseurs de l'arche. Un peu de compagnie ne me ferait pas de mal. Voilà. Donc en fait, nous, on est venu, on vient sur la planète entre guillemets à cause d'elle. Parce que c'est elle qui a envoyé le message à toutes les planètes pour dire l'arche existe. Vous pourrez avoir. Oula, le lance-roquette, il est pas mal pour toi. T'as assez d'argent pour l'avoir ou pas, le lance-roquette? Wow. Non, là j'ai moins de la moitié de ça. Bon bah tiens, du coup. Tiens, prends le mien. Enfin, l'ancien mien. Il est où? Derrière toi. Ah oui. Celui que t'as, on avait chopé là. En effet, oui. Et du coup, on va récupérer le. Alors là, la musique qui s'énerve pour rien. Le dernier. Voilà. Jour 7 à 8. Je me suis réveillée à l'extérieur du camp aujourd'hui. Je ne sais pas comment je suis arrivée là, mais apparemment, j'ai pu surmonter mes peurs. Cela sera mon dernier enregistrement avant que je disperse tous les précédents enregistrements échos. Mon enregistreur écho est devenu fou. Si je ne suis pas très prudente, je deviendrai folle aussi. Je reviendrai reprendre mes recherches quand je me serai débarrassée de cet enregistreur infidèle. Ici Patricia Tanis, fin de message. Elle est pas du tout folle, évidemment. Alors, bien, à chaque fois, il nous remet la quête en premier. Donc ça, c'est New Haven, on va pas y aller. Ça pourrait presque être un MMO RPG en fait, l'univers Borderlands, vu que enfin, les quêtes, je trouve que ça ressemble quand même aux quêtes d'un MMO classique. Oui, bah c'est un. La recherche, des items. C'est un RPG, hein, c'est un. FPS RPG. Je vois bien, mais. Ah oui, après. J'imagine oui. Que. En MMO, ça ferait beaucoup trop, je trouve. Ah ouais? Bah, déjà, le max, c'est 4 joueurs. Ça ferait trop, je trouve, un MMO. Parce que... Certes, l'univers, il est bien... Non, mais sérieux. Il y a quand même du... Il y a quand même du lore.
Mais... Faut, en fait... Ouais, avec les chasseurs de l'art, ça peut passer. Mais les quêtes, c'est un peu... Tu vois, les quêtes qu'on fait, c'est un peu du redondant. Mmh. Donc là, on va devoir brûler les prospectus. On va devoir détruire les prospectus de la fameuse nouvelle religion. Des bandits. Je fisse comme un caca. Hop. La vie, hein. Ouais, ils sont... Bah ils sont... Là, c'est une quête de notre level, hein. Alors, bien évidemment, on récupère les prospectus qui... Ouais, c'est bon. On a tous les prospectus. Ah, mais c'est un brutasse. Oui. Dans la merde. J'arrive. Il y en a qui est juste en face. Quoi ? Ça plaît ? Ah, c'est toi. Oui. Du coup, il reste un. Oh, sérieusement ? Ah, il est quand même mieux le fusil à pompe là. Hein. Même si il fait un peu moins de dégâts. Hop, les sous-sous, il y a un coffre rouge. J'ai encore de la place. Alors, classe soldat, chargeur d'âme 50%, compétence impact super équipé. Et. Un fusil à pompe qui fait un peu plus de dégâts, mais. Il n'y a pas une très bonne cadence de tir. Ouais. Je sais pas quoi prendre là. Pour lui. Parce que lui, il y a une bonne cadence de tir, mais. Il n'y a pas beaucoup de dégâts. Lui. Projectile tiré plus 48. Cadence de tir, recul. Ouais, je vais prendre ça. Tiens, je vais prendre la trousse de soins, normalement. C'est... Ah, ça l'utilise pas pour toi, ça l'utilise que pour moi, tiens. Donc cette quête là, on l'a fait! Ok. Maintenant, un problème d'insectes. Rapporter des échantillons de soufre et éliminer Arachna et Fatalia. Oh. D'accord. Voilà. Donc, j'ai pas trop envie de la faire. Faisons-la, comme ça c'est fait. Après, dans Tiny Tina et le Wonderlands, enfin Dragon Keep Secret, donc dans le DLC de Borderlands 2, un peu MMO, enfin vraiment Medieval Fantasy, t'as vraiment des mobs. T'as vraiment des mobs qui sont. Enfin, c'est des araignées en fait. Mm. Donc là, c'est pour. Donc il faut aller par là-bas. Alors, Fatalia, parce qu'ils disent. Est-ce que ça fait spawn Fatalia? Ah, oui, voilà Fatalia. Tu peux l'écraser? Je crois que si je l'écrase. Voilà. Ah! Ah ouais, Sharon! Viens, mais c'est un poisson! Non! Ne lâche pas le bouton! Ne lâche surtout pas le bouton! Je suis. Non! Jake! Non mais là je vais mourir là, si tu lâches le bouton. Ah merci. T'es un fou. T'es un malade. Non, j'ai eu un, le,
un petit coup de stress et mon index sur la souris a tremblé. A glissé. Alors parce que là, franchement, j'allais mourir. Oui, j'ai vu. C'était chaud. C'est génial. Voilà, moi je peux régénérer un peu de vie. Il y a des munitions ici. Et en plus, bah, il y a un autolock juste là, donc c'est parfait. Arrange la bagnole. Je suis motorisé. Change nos places. On échange nos places. Vas-y, dis-moi. Puis sur c'est. Échangez avec moi. Ah, c'est bien, tu voulais conduire? Peu importe. Non, ce que tu veux, c'est comme j'ai vu que tu voulais changer de place. Mais c'est ici? Non, c'est un peu après. Il fait zéro dégâts! Voilà. Par contre, la régène de vie est pas du tout. Elle est pas ouf. Hein. Ouais. Heureusement qu'ils ont amélioré ça dans les autres puces. Hein. Ouais, mais j'attends juste de régénérer ma vie, en fait. Parce que là, elle va spawn. Elle va pas être toute seule. Bon, pourquoi moi? Allez, spawn! Pile sur la voiture, je parie. Il y aura une caisse rouge après. Ah. Ou alors elle spawn ou pas? Ah oui, bah pile poil. Bon, je me suis suicidé, mais au moins j'ai enlevé 90% de sa vie. Merci. Voilà. Je me fâche. Et la caisse rouge. Ah, par contre la voiture. Ça, le point de voiture il est à côté. Des armes ici. Classe sirène et une arme. Allons à la voiture. Et on va pouvoir les rendre les deux quêtes. Et on va rendre toutes nos quêtes. C'est pyromane. Ah, donc ça veut dire que si tu as tué autant de... Oula. Tu as tué autant de monstres avec des dégâts de feu. D'accord. Attention, le brutalier va exploser. Et la vache, il spawn fini ou quoi? Ouais.
Voilà, t'es mort. Et du coup, on va aller au spot de voiture. Hey, coucou Rim. Qu'est-ce que tu dis, Rim? Coucou les copains. J'ai le droit de faire une blague borderline vu que c'est... vous êtes sur Borderlands. Jack, ton micro est légèrement étouffé. Non, que tu parles dans ta barbe. C'est je parlais très doucement, j'étais concentré, c'est pour ça. On a failli mourir. Regarde, je fais jaune canari. Vas-y, tu peux dire ta blague. Là. Borderline, je pense. Wow. Alors ça cette couleur là s'appelle le jaune hyperion. Concentré. Hyperion. Ouais, parce que enfin tu sais, ce sera plutôt dans le 2. La société, la méchante société qu'on va se battre, c'est Hyperion et ils sont tous les. Ils t'envoient des robots et les robots sont en jaune en fait. Et du coup, d'accord. Ça s'appellera la couleur jaune Hyperion. Alors, concentré en un mot. Oui, parce qu'en deux. Alors, la boutique. Ouais, on voit tout. Troll. Sinon vous croisez des Russes dans Borderline, troll. Oh là là. Bah, Marcus est russe. Le vendeur d'armes est russe. Ah bah tiens. Je pense que tu j'ai, je viens de débloquer un succès. Panther Dog millionnaire. C'est un rapport avec le film ça non? Oui. Mais à ton avis, ça parle de quoi? Je sais pas. C'est pour l'argent. Pandore Dog Millionnaire, c'est... Attends que je te dis ça tout de suite. Vous avez gagné 1 million de dollars. Oh. D'accord. 1 million de dollars. Eh ben, on va aller tuer le prêtre de la religion. Non, mais c'est quoi ces quêtes? C'est Slitter. On va avoir des problèmes. Mais non. C'est une religion fictive. Vu qu'on a tué tous ses membres, il n'y a personne qui va porter plainte. C'est bon. La réponse T, c'est ça. 1 million de dollars. Ou D, la réponse D. Que prenez-vous, Guy? Eh bien, écoutez, Marcel, c'est très tentant, mais je vais prendre la réponse D. Et on retourne où on était. Maintenant c'est un boss là, on est d'accord. Ouais, c'est un mini boss. Ah, c'est un mini? Ok. Un boss, oui. Ça, c'est le dieu des. C'est le dieu, hein. C'est leur dieu hein, de la religion. C'est Slitter. De quoi, cette chose là? Oui, c'est leur dieu. Ça? Oui, c'est. Alors, Slitter, voilà, donc je te lis la. Sur la base des prospectus que vous avez rapportés, j'ai acquis la quasi-certitude qu'il y a quelque chose d'intéressant par ici. Il y a un dessin plutôt primitif représentant des silhouettes autour d'un monstre après Slitter. Ou Slither. Il renoncerait peut-être à toute cette comédie religieuse si vous tuez leur dieu. C'est limité à 50 en ville. J'ai tellement envie d'écraser Dieu avec mes Rangers. Ah là, ouais, là, franchement, tu peux, là. Ouais, mais les voitures dans Borderlands 1, elles vont pas vite. Elles vont pas vite? Tu rigoles? Ah non, elles vont pas vite. Faut beaucoup. Ah bon? Sans le boost, ça va beaucoup plus vite. Dans Borderlands 3, tu peux personnaliser ta voiture pour que qu'elle aille vite, qu'elle soit plus lourde et tout. Et après on va aller rendre cette quête. On va aller à New Haven rendre nos quêtes. Hop. Ah, je fais du deux roues. On le tue. Oui c'est ça monsieur. Allez cours, cours Michel, cours. Attends. Allez. Oh là là. Tu sais que tu es sans pitié. C'est toi qui les as quand même. Tu es sans pitié quand même. Toi tu leur tires dessus au lance-roquette. C'est pas non, mieux. Non, moi je leur fais peur pour qu'ils partent.
C'est pas par là qu'il faut aller. Si, regarde. Si, regarde, je te ramène juste à côté là. Ah, il y a une remarque. Il y a eu un petit bug là. Qu'est-ce que. Pourquoi il y a une roue qui dépasse là? Bah, en fait, je suis passé à travers. J'ai bloqué la voiture. Là, vous bien voir comment elle est la voiture. Oui, j'ai vu. Plus fort et plus terrible. Hardcore. Qu'est-ce que c'est ce succès? Ah, bah, c'est passé le level 3. Non, moi non, il me manque peut-être 2 d'XP quoi. Et parfois j'oublie de recharger. Qu'est-ce que c'est cette arme? Oh! C'est une arme qui tire à l'infini! À l'infini? Ça prend pas de balles! Trop bien! Tu l'as l'arme? Non, tu l'as aussi. Ah, mais elle fait 61 de dégâts, mais tu tires à l'infini avec. Bah, normalement, tu l'as aussi l'arme. Mais c'est... ça, non, j'ai rien, moi. Oh, si! The Dove. T'as pas le pistolet The Dove? J'ai un VRR9 Rolling Sniper. Bon, j'ai mon autre sniper qui est très bien. Bah, normalement, j'ai le Rocket Launcher et j'ai mon petit patrol SMG. Et dans ton inventaire, t'as pas le pistolet The Dove? Non. Bah, tiens, vas-y, prends-le. Non, c'est bon. Non. Mais c'est... Alors, donc, c'est celui qui rend les quêtes qui récupère les objets? C'est ici qu'elles vivent, les bagnoles. C'est pas, voilà, c'est pas normal, normalement. Alors, bah en fait, non, on n'a pas besoin de non, ça. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Ah oui. Tu je m'as l'avais fait... vendu. Tu m'as fait peur. Je l'avais vendu. Mais moi, je vois 12, je vois pas... Oui, vois 12, prends-le. Qui pleut. Et tire. Attends, là, je ne sais pas celui-là. C'est ça. Et tire, maintenant. Non mais c'est normal, non, c'est parce que c'est un énorme chargeur. Non, mais Jake, ton 12 ne descend pas. Ouais mais pourquoi il y aurait 12 sur 488? Parce que c'est une arme qui te tire, qui ne... L'intitulé c'est de l'arme, il est marqué, parfois j'oublie de recharger. Donc peut-être qu'on perd des balles quand on tire sur des ennemis, mais pour le moment on perd pas de balles. Ça fait très... Ça fait très peu de dégâts, mais c'est pas mal. Et ben là, on peut retourner au village du début, enfin à New Haven, et on va pouvoir rendre toutes nos quêtes. Donc tu me dis quand t'es prêt. Oui, go, go. Donc c'est parti. Téléportation à New Haven. Téléportation, Scotty. Énergie, Scotty. Alors. Fait longtemps que j'ai pas crash. Apporte pas la poisse. Hein. du coup, on va rendre toutes les quêtes. Et il y en a d'autres qui se sont débloquées en plus. Donc, il y a une quête à Marcus. Qui nous donne une machine gun. Niveau 30. Ah, j'ai. GG à toi aussi. Ça c'est... Alors ensuite... Alors les petits points. Et ensuite il faut qu'on ait parlé à Elena et on va pouvoir prendre la quête. Alors attends, on va aller prendre la quête d'abord. Je fais tout le tour pour rien en plus. Téléportation avec ou sans distorsion, monsieur Spock. Oh là là. Ça s'arrose. À quelle heure l'apéro? Tout de suite. Non, pas. Alors, c'est qui, lui? Ah, d'accord. Donc, lui, donne une autre quête, trouver le conteneur, fouiller la décharge. Ah, tiens. Ouais, ça va. Normalement, le prochain succès sur les niveaux, comme je disais, c'est level 50. Donc, ça va. Après, nous, on peut pas boire, Rim, vu qu'on conduit des voitures. On peut pas... Après, ça fait des accidents et tout. Ah bah de toute façon c'est boire ou faire le plein, faut choisir. Ah, là, ah ouais, là oui, en effet oui. Alors, Elena Pierce. Faites du vélo. Alors t'as vu ce qu'elle a la tête, Elena Pierce? Non, t'es où? T'es dedans là? Oui, dedans. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Alors, regarde ce qu'elle a sur sa tête, Elena Pierce. Elle a une brûlure? Ouais, une bonne cicatrice. Une bonne brûlure, ouais. Le docteur Tanis a toujours privilégié la solitude.
ça ne facilite pas les relations de confiance. Un œil vigilant. Non, on a chopé un œil. Non. On a chopé une mitrailleuse, enfin un fusil d'assaut, qui s'appelle un œil vigilant. Ouh, c'est comme un viseur de snipe. C'est pas mal, mais c'est une mitrailleuse. Ah, le choix est difficile entre les deux. Je ne sais pas qui a envoyé ta Ensuite, un bouclier qui est nul. Et la quête principale. Ah non, c'était la quête principale. Succès. Par Underdog millionnaire. Ah, donc toi aussi. Donc t'as récupéré 1 million. 1 million de boulas. Ah. En tout. Non, je le vends. Ouais, mais je vais vendre des trucs aussi. Et ça, c'est quoi? C'est un snipe, ça? C'est pas un snipe. Non, c'est un fusil d'assaut que t'as eu. Boire ou conduire, il faut choisir. Moi, je bois au feu rouge et moteur éteint. Ah, c'est encore mieux si t'as le start and stop. Ça c'est encore mieux. Lui en fait, je vais le vendre. Et toi, je vais le garder. Donc ça, c'est trouver le conteneur à l'extérieur de New Haven. Voilà. Donc il est par là. Ah, il y a que. Je t'entends plus. Tu m'entends là? Allô, Jake? Tu m'entends? Une coupure réseau. Au niveau. Si tu m'entends, Jake, accroupis-toi deux fois. Tu m'entends ou pas? Attendez. Est-ce qu'on a perdu Jake? Mais. Ah, tu m'entends? Là, oui. Ouais, je comprends pas. Alors, en fait, je ne comprends pas pourquoi, mais mon micro s'est coupé tout seul. Oui, j'ai vu ça. J'ai rien touché, Rip Jake. En fait, non, c'était moi qui. J'ai rien touché. Mais tu parlais quand même ou pas? Oui, je disais, je ne t'entends plus. Ah ouais, on t'entendait plus. C'est peut-être une micro-coupure au réseau alors chez moi. Ah, moi, je t'ai vu mute sur Discord. Ah, ouais, bizarre. Bizarre! Ouais, j'ai dû appuyer sur des boutons qu'il fallait pas. Eh ben, moi, je te conseillerais, si tu veux bien, qu'on finisse les deux quêtes à New Haven. Donc il y en a une, c'est trouver un conteneur pour la quête principale, et l'autre c'est trouver des objets précieux d'Eric. Vas-y, remets le conteneur, il était par là. Et le conteneur, mais ils sont tous les deux à côté. Hein. Ils sont... Et comme ça, on s'arrêtera là après. Okay. Je pense. Alors. Le conteneur. Du coup, je vais tester le nouveau flingue. Elle est tout à compter, elle est une pierce. Alors recule, Jake. Parce qu'il va avoir sûrement un ennemi. Voilà. Ouais, non, l'arme, elle tient vraiment. Bon, elle fait pas beaucoup de dégâts, mais. Oh, quand même. Ouais. J'ai juste besoin de maintenir appuyé. Tellement bien. C'est cheaté. Donc là, en fait, si j'ai bien compris, quelqu'un dans New Haven nous a trahi. Puisque normalement... Est-ce que Dave m'a dit de vous dire qu'il avait un petit truc à vous faire faire? Vous devriez aller l'interroger. Votre libération de Dennis Stern pourra avoir des conséquences attendues. Et on va pouvoir récupérer les objets précieux de Eric. Bisous, bonne soirée, Rim. Bisous. Ça nous fait des vacances 20 secondes, méchant Rim. du coup, je préfère prendre mon flingue explosif. Hop. Oh. Ouais, mon flingue explosif, il one shot. J'aime mieux ça. Donc là, on va devoir chercher des objets précieux d'Eric. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être des trucs débiles. Mais est-ce que c'est un inspecteur? Attends, qu'est-ce que c'est ça? Alors, sa décharge, c'est une question de justice. Oh non. Des magazines cochons, pardon. Et t'as plus ce qui est marqué après aussi? Ouais. Sa décharge, et certaines pages sont collées.
Mais bravo. Ce sont les objets précieux d'Eric. Ah, je suis deux brutales. Ah bah oui. A pu. Et n'oublie pas que plus tu utilises une arme, plus ça améliore tes dégâts, ta précision et tout avec ce type d'arme. Ah, j'avais oublié ce détail. J'aime bien le petit pistolet. Hop, parce que là, surtout avec le petit pistolet, plus tu vas tuer des personnes, plus ça va t'offrir des bonus. Alors, ensuite, c'est par là-bas. Et après ces quêtes-là, on va pouvoir y aller. Je me suis bloqué. Parfait. La puce, elle m'énerve. C'est un temps de sauter. Tout est exposé. Voilà, c'est bon. Alors, on va trouver les dernières pages cochons de notre cher Eric. Et il faut monter là. Il y a des toilettes, je sais pas pourquoi. Hop. Et on peut retourner à New Haven. Et New Haven, on va rendre les quêtes. Du coup, on va dire à Elana Pierce que les méchants bandits, ils nous ont trahis. J'ai pas encore coupé mon micro quand même. Non, non. Non, j'ai peur, tu me répondais plus. Non, je ramasse des munitions. Ah, franchement, on fait que ça, c'est horrible. Faut que je regarde si le vendeur de munitions il nous donne les munitions de l'héros, quoi. Voilà. Ah bah tiens, il y a encore des quêtes en plus sur le panneau des primes. Ça n'arrête pas. Marcus. Ouais, non. Alors, cette quête-là, c'est quoi? Rechercher poisson frais. Lancer des grenades dans l'eau près de Treacher Landing et récupérer les poissons morts à la surface. Les rapporter au panneau des primes de New Haven. Et ça nous donne un lance-roquette. Ah. Du coup, c'est dans une autre zone, c'est pas la zone ici. Et il y a une autre quête là-bas. En plus. Côté des scooters. Quelle est donc cette quête? Ici c'est l'autoloc, pour louer des autos quoi. Tu peux la peindre avec plein de couleurs. Alors attends, la quête à débloquer, elle est où? Elle est en haut. Il faut monter sur le toit. On est d'accord, il faut... Ah non, il faut parler à scooter. Et comme chez toi, regarde un peu partout. Il se la coule douce, couler l'honnête homme, la terrible vengeance et l'irascible. C'est le bon, la brute et le truand. D'accord. Tu vois, bah, l'honnête homme, le bon. Ah oui. La terrible vengeance, le truand, enfin la brute et l'irascible. Enfin, le truand et l'irascible, voilà. Fais gaffe où tu mets les pieds. Donc je suis sûr que si on y va, ils vont faire le fameux trio mexicain. On
dirait que vous vous fondez dans le paysage. Tu étais leur cop, puis parler à son claptrap. Donc ça, ce sera pour plus tard. Ce sera le prochain boss, sûrement, pour récupérer la clé de l'arche, si je dis pas de bêtises. Un crétin de chasseur de l'arche obéit à une archéologue dingue, et c'est la catastrophe. Janice n'était pas un ange, mais c'est sous la ferrure de Taylor. Ah bah tu vois le monsieur qu'on a aidé à tuer son frère. Oui. Bah on va devoir le tuer. Parce qu'en fait, parce qu'il nous a trahi en fait. D'accord. En fait, on devait l'aider pour récupérer la clé de l'arche. Mais il nous a indiqué que la clé... Oula, pardon, je suis en train de bailler. Il nous a indiqué que la clé, elle était dans son coffre à côté de New Haven. Sauf que en fait, y avait rien du tout. Alors, utilisons une petite clé dorée. Super, je m'y attendais pas. 178 ou 75. Je veux bien prendre celui-là. Moi. Tu veux prendre l'autre, tu peux. Hein. Non, c'est bon, sans façon. Ah oui, comme ça, tu peux le vendre. Ah, ok. Hop. Attends, je refais le coup. Il fait combien de dégâts ton SMG? Ta mitrailleuse? SMG? Ouais, ta petite mitrailleuse. J'en ai plus. Parce que si tu veux, là, j'en ai deux. J'en ai une à 98 et une à 56. Qui font des dégâts de feu. Le feu! Ouh, pardon, excusez-moi. 12. Non, non, non. Hop. Et bah, du coup, on va pouvoir prendre ça. Alors. Et ben voilà, on est bon. Je te laisse tout déco. Comme okay. ça se garde de ton côté. Je vais pas faire un petit duel au pistolet de la munition infinie. Ah oui, je l'ai encore. Je l'ai pas vendu. Ah, attends. Mais. Faut sortir. Voilà. Ah non. Mais comment ça se fait que tu me tires dessus? Tu me tires dessus, ça tire, ça m'enlève de la vie et non mon bouclier. Je comprends pas. Tu vises ma tête ou pas? Oui. Enfin, j'essaye quand j'arrive. Attends, on va faire des tests. Allez. On fait ça dans les rues. Voilà. Alors, attends, bouge pas. Toi, ça t'enlève du bouclier. Tire dans ma tête pour voir. Tu vois, mon bouclier n'a pas bougé. Mais tu m'enlèves de la vie. Attends. Est-ce que c'est pas un bug qui dit comme moi j'ai plus de bouclier en fait? Mais attends, laisse mon bouclier se recharger. Est-ce que ça fait pas partie de mes talents? Ah, regarde. Je regarde. Vas-y, peut-être. Ignore une partie des boucliers de l'ennemi. Parce que si c'est ça, c'est cheaté. J'ai plein de dégâts. De l'XP. Capacité des chargeurs. Réduction de latence. Ah bah oui, bah je suis bête, oui, c'est mon talent 5 sur 5 en bas du sniper, ouais. Vos balles ont une certaine probabilité d'ignorer les boucliers. Augmente aussi légèrement les dégâts des balles. Chance de perforer les boucliers 100%. Ah bah voilà, ça triche. Je joue mon personnage, hein. Ce n'est pas moi, c'est le jeu.
Non mais on se calme, oui. Hey, j'aurais pu te tuer longtemps, depuis longtemps, hein, je l'ai pas fait. Attends, j'allais me heal. Docteur Z, il est où? Il est où, Docteur Z? Z, il est là-bas. Non. Ah, c'est qui est là. Ouais. Par rapport ici. Là. Là. Je me heal aussi. Du coup, j'ai testé un autre flingue. Tu crois que je suis de ton niveau? Ah, il va te falloir beaucoup de chance. Vas-y. J'aime bien traîner. Ouais, en fait, c'est cheaté ton truc. C'est cheaté de ouf que tu passes mon bouclier. Ah, mais ça va être super pratique pour des boss, par exemple. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai que oui, pour les boss et les mobs, oui, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé. Mais du coup, ce serait mieux que tu tapes avec des mitraillettes, alors. Oui. Bah là, j'ai... une petite mitraillette, la grosse rouge là. Ah oui. J'ai mon super sniper de l'amour. Ah oui. J'ai la grosse roquette et le petit pistolet infini. Ah, c'est pas mal. Oui, donc ouais. Bah du coup... ouais, je vais prendre ça. Parce que là, moi, c'est... les alliés autour de la tourelle sont régénèrent de la vie. Quand je te tire dessus, je te soigne de 30%. Normalement, ma tourelle Scorpio, elle a 70% de chance de te réanimer instantanément. Quand je tue un ennemi, j'ai 5% de chance de santé, de régénération de santé par seconde. Et augmente les dégâts de mes balles. Pour le moment. D'accord. Je vais me raise. Allez, pépère. Ça, c'est le pistolet. Ouais, c'est tout bon. Encore un ou encore un petit duel ou pas? Comme tu veux. Allez, attends. J'ai encore une clé et puis un duel. Ah, t'as encore une clé? Mais j'en ai 71. C'est génial! Ah oui. Oh! Le SMG là que j'ai, il fait ce 101 si tu veux. Il y a une cadence de tir de merde. 98, 90, 12 98, 90, 46. Réduction du recul, cadence de tir, précision. Ah, la place de la mitraillette rouge, mais ça veut dire quoi, œil vigilant? En dessous? Ouais. C'est juste un nom. C'est œil vigilant, c'est comme là, c'est pour te dire que cette mitraillette là, en fait, elle a un gros bonus de zoom. C'est tout. Après, si tu veux, je peux te donner la mienne, hein. La mienne, elle fait 101 de dégâts. Bien. Super, je m'y attendais pas. Ouais, mais je perds énormément en précision. Ouais, mais comment dire Voyez-vous ça. La deuxième. Je préfère la deuxième. Ouh. Ah oui, c'est vrai qu'en plus la tienne, elle tire plus vite. Mm. Oh voilà. Mais ouais, niveau clé, j'en ai 68 là encore. Ça va, tu te plaises. Bah ouais, mais bah c'est en fait c'est sur Twitter.
Ah oui, tu l'avais dit. Mais... Sur Twitter, ils offrent pas mal de clés, donc... Donc dès que je vois un tweet qui passe, hop. Et encore, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Enfin, bref. Je te laisse sortir... Partir. Ouais. Vas-y. Je sauvegarde... Je quitte sa sauvegarde. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça. Voilà, Jack a abandonné votre cause. Et je quitte. Toukoutouk, je fais le petit switch. Je récupère mes points de chaîne. J'en suis à 15 600. Donc, on va savoir à combien j'en suis. Je peux dire pain au chocolat. Je peux dire beaucoup plus chocolatine. Oui, oui, mais parce que tu as biaisé les. Non, les mais stats. J'ai 183 000 points. 183 000 points. Ouais. C'est pas possible ça. Bah si. Attends. Regarde tous les streams. Ah oui, ah oui. Mais oui, du coup, c'est ça en fait. Quand tu regardes pendant 5 minutes, t'as 10 points de plus. Quand t'as des bonus spéciaux, c'est 50 points. Quand tu participes à un raid, c'est 250 points. Quand c'est la première fois que tu suis la chaîne, c'est 300. Quand tu es le premier donneur, en gros le tier, c'est celui qui donne le plus d'abonnements, c'est 350. Quand tu offres un abonnement... De ton premier abonnement offert du mois, c'est 500. Et tu vois, si t'es abonné niveau 3, tu gagnes deux fois plus de points de chaîne. Ah ouais. Abonnement niveau 1, c'est 1,2. Abonnement niveau 2, c'est 1,4. Et abonnement niveau 3, c'est 2. Donc, voilà. Si vous voulez des points de chaîne, abonnez-vous tier 3. Ça fait toujours plaisir. Et on arrivera aux 200 followers. À bientôt. Ouais. Alors, je remets le petit son. C'était bien sympa, on a bien rigolé. Oui. J'ai bien rigolé. Plein d'insectes, il y a eu beaucoup d'insectes aujourd'hui. Ouais, ouais, je pense... en fait, je c'est comment le nom des insecticides Red. Red, voilà. Red, c'est sympa, ce sera Red. 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 Y'a pas un slogan? Slogan Red. Alors là, par contre. Un slogan Red insecticide. Vous êtes exigeant Red aussi. Et ben voilà. Nous sommes exigeants Red aussi. On va mettre ça. Bon. Eh bien, messieurs, dames du chat ou de la VOD, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Venir faire coucou sur notre Discord et de vous abonner ou de nous suivre sur la chaîne Twitch. Ça fait toujours plaisir. C'était Draken et Jack. On vous souhaite une bonne soirée. Bisous. Cordialement, bisous.